Ok les gars, nouveau glitch de duplication de clés, d'objets, de tout ce que vous voulez. Vous pouvez dupliquer des gilets, des sacs sécu, des sacs pillards, des drones, que sais-je, ou des passe-partout, ce qui est très utile pour ouvrir toutes les zones sécurisées. Il vous suffit tout simplement de vous infiltrer dans la DMZ avec un sac à dos sécurisé, donc un sac à dos qui contient 5 emplacements qui permet de sécuriser les objets d'une game à une autre. Et puis quand vous mourrez en saison 4, il faudra donc une passe-partout. Le mieux c'est une intacte, donc avec 3 utilisations. Vous vous infiltrez dans la DMZ, peu importe la map. Vous vous rechargez complètement en munitions. Par exemple, un truc de munitions comme ça. Ou vous posez une boîte de mun, peu importe. Il faudra déposer des mun sur le côté pour en avoir en rab. Donc regardez là, par exemple, je suis refull. Et j'en ai sur le côté, j'en ai même là. Vous les prenez. Comme ça, vous en avez dans votre sac. Peu importe combien vous en avez. Et en fait, chaque munition va vous donner une clé passe-partout ou un objet que vous allez dupliquer au nombre de munitions que vous avez. Donc par exemple, si je duplie ma passe-partout avec les 180 munes, j'aurai 180 passe-partout. Si je fais ça avec les 60 munes, j'aurai 60 passe-partout. Si je duplie mon drone avec les 60 munes, j'ai 60 drones. Vous comprenez? C'est exponentiel, c'est un truc de taré. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous restez appuyé sur votre objet pour que ça s'affiche comme ceci. Et vous lâchez. Et vous déplacez sur l'objet que vous voulez dupliquer. Donc moi, je vais dupliquer la passe-partout. Voilà, et vous n'y touchez plus. Le glitch est fini. Vous allez vous extraire. Vous prenez une exfiltration proche de vous. Ou alors vous l'achetez. Directement. Hop. L'exfiltration est juste à côté. Vous vous exfiltrez. Et vous revenez dans une prochaine game. Avec un sac à dos, par exemple, pillard. Parce que c'est lui qui a le plus d'emplacement. Et vous allez pouvoir prendre, par exemple, 12 clés passe-partout. Vous n'allez pas en prendre 180 parce que vous pouvez pas, ça se stack pas. Mais vous pourrez prendre 12 passe-partout ou 12 autres objets ou faire des mélanges d'objets que vous voulez. C'est comme vous le sentez en fait. Hop, par exemple on peut le faire pour le drone. Tac, pareil on n'y touche plus. Et ça va le dupliquer. Hop, donc là regardez, on arrive en game, on voit que nos munitions sont à 1 et 1. Alors qu'on avait 180 et 30 ou 60, je sais plus. Et du coup c'est sûr que ça a fonctionné. Il suffit tout simplement de jeter. Donc de lâcher votre clé. Et du coup voilà, quand vous jetez les passe-partout au sol, bah ça vous jette tout, vous en avez 180, là il m'en reste 149 au sol. Le problème c'est qu'on est full, hein, et ça se stack pas plus, on peut pas prendre plus, hein, vous voyez. Vous pouvez taper dedans, hop, il en reste 138, mais vous en avez plein de partout quoi, vous pouvez pas prendre plus. Mais bon au moins ça en fait énormément et voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors pour les petits rageux, ça ne détruit pas le jeu, hein. Les passe-partout servent à ouvrir les zones sécurisées. Ça peut servir à récupérer les notes, si vous voulez faire le 100% sur les notes. Ça peut servir à refaire du stuff si vous en avez plus aussi. Mais bon, en saison 4, il y a beaucoup plus simple pour faire du stuff maintenant. Regardez, ça va peut-être, je pense, même c'est même sûr, ça va détruire le jeu. 180 drones au sol, rien qu'ici. C'est abusé. Et donc si vous entendez en game drone, 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 eh bien c'est à cause de ça. Et il fonctionne, hein, regardez. Hein. Vous pouvez les bourriner, hein. Vous avez vu, ça fonctionne très bien, hein. Drone amélioré là déjà du coup. Aïe aïe aïe. Ok les gars, nouveau glitch de duplication d'objets, vous allez pouvoir tout dupliquer dans la DMZ, que ce soit des passe-partout 3 utilisations, des CG, etc. Il vous faudra des munitions sur vous, donc pour ce faire vous faites le plein, soit vous videz votre chargeur, vous avez une touche pour lâcher vos munes, vous les mettez de côté, ensuite vous mettez une boîte de munes, et vous refaites le plein, hop, et vous en mettez dans vos inventaires du coup, vous mettez... En fait, c'est un slot de munitions par objet différent que vous voulez dupliquer. Là, je vais en dupliquer deux en même temps, mais si je voulais dupliquer qu'un seul objet, il me faudrait qu'un seul slot. Et le truc à faire, c'est du coup de rester appuyé. Vous avez une touche pour maintenir, vous avez vu, moi ça me dit clic gauche. Je reste appuyé. Une fois que ça m'affiche ça, eh ben, je vais pouvoir switch un objet. Donc là, je switch la passe-partout. Et c'est tout, la passe-partout sera dupliquée pour la prochaine game. Et pareil, du coup, avec la CG, je fais ça, hop, ce sera dupliqué pour la prochaine game. Et du coup en fait vous avez juste à vous extraire derrière. Donc par exemple vous achetez une exfiltration comme nous là. C'est tranquille, vous extrayez. Et quand vous arrivez dans la game d'après, vous allez pouvoir jeter les objets au sol, soit un par un en faisant lâcher ou soit tout lâcher. Et vous allez avoir le nombre d'objets que vous avez en munitions. Donc là par exemple j'aurai 180 passe-partout et j'aurai 166 CG à 6000$. 166 fois 6000$, ça fait plus d'1 million. Vous êtes riche. Bon après on peut extraire que 250 000. Mais bon voilà. Vous pouvez avoir full passe-partout, full thune, faire tout ce que vous voulez dans la DMZ.
pense à liker et abonne-toi.